Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez attirer des visiteurs gratuits sans publicité payante sur votre blog en 2019. C'est une toute nouvelle méthode qui va littéralement cartonner dans les années à venir, 2020, 2021, etc. Et elle va vous apporter potentiellement du trafic massif sur votre blog et également ça va vous apporter plein d'inscrits sur votre mailing list. Alors c'est une méthode en trois étapes et la première étape c'est de rédiger un article de blog avec un contenu en deux temps. C'est-à-dire que le premier temps c'est que vous rédigez votre article et le deuxième temps c'est que vous allez proposer en échange d'une inscription à votre mailing list, en échange de leur email, vous allez leur envoyer le deuxième temps qui va être par exemple une fiche action qui va récapituler toute la méthodologie ici que vous avez donnée dans votre article de blog pour passer à l'action. Ça peut être une procédure en PDF, ça peut être un script, ça peut être un plugin, un ebook, des templates divers et variés, par exemple des templates de graphisme ou des templates HTML de pages web, etc. Des pages de vente que vous donnez en HTML, etc. Bref, vous faites un contenu en deux temps comme ça. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, déjà, ça va vous apporter plein d'inscrits à votre mailing list comme ça. La deuxième étape, c'est de transformer cet article de blog en vidéo. Donc vidéo, vous avez deux manières de faire. Une manière très rapide, c'est-à-dire que tout simplement vous retenez les points, par exemple les 3 ou 4 points principaux de votre article de blog, vous vous filmez avec votre smartphone ou avec une caméra externe et vous récitez un petit peu l'article de blog, vous le convertissez en vidéo. Ou alors la deuxième façon de faire, si vous voulez pas montrer votre tête, c'est tout simplement de faire par exemple une vidéo de screencast. Par exemple, vous mettez sous forme de slide PowerPoint, ou si vous n'avez pas PowerPoint, vous utilisez Impress, donc c'est la version de PowerPoint sous OpenOffice, et vous utilisez un logiciel de capture d'écran pour justement enregistrer, filmer votre écran, filmer vos différents slides. Ça peut être par exemple Camtasia ou ScreenFlow, alors que ces deux-là, ils sont payants, mais si vous voulez des gratuits, vous avez ActivePresenter qui est excellent, vous avez OBS aussi, et vous avez CaptureFox qui est en fait un add-on de Mozilla Firefox, donc de votre navigateur, vous le téléchargez et ça vous permet d'enregistrer votre écran comme ça et d'obtenir une vidéo en filmant votre écran. Et une fois que vous avez votre vidéo comme ça, eh bien l'astuce c'est de la mettre en live sur Facebook et sur YouTube. Et le fait que vous la mettiez en live, eh bien ça va vous apporter beaucoup plus de trafic que si vous la mettiez simplement sans être en direct. Alors vous allez me dire, bah oui mais c'est une vidéo qui est préenregistrée, on peut pas la mettre en live, on peut pas la diffuser comme si c'était en direct sur Facebook et sur YouTube. Eh bien si vous pouvez le faire, il y a un superbe outil qui vient de sortir qui est complètement inédit en France et qui vous permet de faire des lives sans jamais subir le stress du direct avec des vidéos préenregistrées et de profiter justement du trafic massif que les vidéos en live vont vous apporter. Parce que une vidéo qui est mise en live, eh bien ça va vous apporter beaucoup plus de trafic qu'une vidéo classique, tout simplement parce que sur Facebook déjà, si vous mettez une vidéo en direct, eh bien tous vos abonnés, toutes les personnes qui ont liké votre page et toutes les personnes qui appartiennent à vos groupes, si vous en avez, vont être averties que vous faites une diffusion en live. Et en plus, votre vidéo en direct va être au sommet du fil d'actualité de tout le monde. Et si vous êtes sur YouTube, en faisant un live sur YouTube, eh bien, tous vos abonnés vont également être au courant. Et en plus, votre vidéo va figurer tout en haut des résultats de recherche, ce qui va vous générer un trafic massif qui est beaucoup plus important que les vidéos classiques. Donc les vidéos classiques, déjà, ça vous génère du trafic supplémentaire, mais là, ça va vous rajouter 10 fois plus de trafic en mettant votre vidéo en direct. Et il y a, comme je viens de vous dire, un tout nouvel outil qui vous permet de mettre des vidéos préenregistrées, n'importe quelle vidéo, et la diffuser en live aussi bien sur Facebook que sur YouTube, que sur toutes les autres plateformes. Et si bien que vous allez mettre le lien de votre blog dans la description de la vidéo que vous mettez en live sur Facebook et en live sur YouTube, et comme ça les gens, pour télécharger ce contenu en deux temps, puisqu'il faut un contenu en deux temps, eh bien ils vont cliquer sur ce lien pour aller, pour être redirigés sur votre blog, et donc ça va vous amener beaucoup plus de trafic puisque votre vidéo sera en live, et en plus ils vont s'inscrire à votre mailing list. Ça va grossir comme ça considérablement votre mailing list et vous apporter plein de visiteurs
gratuit comme ça sur votre blog grâce à la puissance du live. Alors comme je vous ai dit, il y a un outil qui vient de sortir qui est inédit en France qui vous permet justement de diffuser des lives sur Facebook, sur YouTube et sur n'importe quelle plateforme de streaming live. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous et je fais une présentation complète de ce super outil. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation complète.